Nous sommes dans nos Bibles, dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 2. Le livre de la Révélation, Apocalypse au chapitre 2. Nous allons lire à partir du premier verset jusqu'au verset 7. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite et celui qui marche au milieu de sept chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs, et que tu as de la persévérance. Et que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, et repens-toi. Et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi, ou j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres de Nicolaïte, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Amen. Le deuxième texte, c'est dans le livre de Matthieu, au chapitre 24. Matthieu au chapitre 24 et nous lirons à partir du verset 9. Matthieu chapitre 24 à partir du verset 9. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Le thème de ma prédication ce matin s'intitule Souviens-toi de ton premier amour. Technique, on peut m'aider avec l'écran s'il vous plaît. L'écran. Souviens-toi de ton premier amour. Regarde ton voisin de gauche, dis-lui, souviens-toi de ton premier amour. C'est trop faible. Dis-le-lui encore à haute voix, souviens-toi de ton premier amour. Regarde ton voisin de droite, dis-lui, souviens-toi de ton premier amour. Dieu m'a mis à cœur pendant que je priais ce matin sur le thème que je devais aborder, sur ce thème, souviens-toi de ton premier amour. Toute la Bible est une histoire d'amour. De Genèse à Apocalypse, nous voyons un Dieu d'amour qui, dans son amour, a voulu créer l'homme, l'humanité, pour son plaisir et l'homme comme étant le responsable de l'humanité. Et nous voyons comment est-ce que son amour a été démontré, cet amour a été manifesté par l'œuvre de la création. Tout ce que nous voyons, nous palpons, tout ce que nous pouvons toucher, c'est le fruit et le résultat pur et dur de l'amour de Dieu. Et cet amour a été prouvé en créant l'homme. Et malgré la déchéance de l'homme, la chute de l'homme, Dieu réitère son amour en envoyant son propre fils sauver encore l'humanité. Un texte que nous connaissons tous, c'est dans le livre de Jean au chapitre 3, le verset 16 qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et nous voyons encore cette histoire d'amour. Et on nous dit que Dieu prouve son amour envers nous, envers le monde, l'humanité, en sorte que lorsque nous étions encore pécheurs,
Christ est mort. Et toute la Bible, comme je le disais, de Genèse à Apocalypse, est une histoire d'amour. Parce que quand l'homme a chuté, l'homme ne sait plus aimer Dieu et l'homme ne sait plus aimer son prochain. Voilà pourquoi le monde aujourd'hui, l'humanité entière, sombre dans un chaos. Pourquoi ? Il y a un problème de haine, il y a un problème de positionnement, il y a un complexe d'infériorité pour les autres, les uns plutôt, et pour les autres un complexe de supériorité. Et un monde qui est composé aujourd'hui des dominés et des dominants. Et on ne sait pas où le monde va. Quand vous regardez le monde dans son ensemble, pas plus tard que hier encore, nous pouvions regarder dans les informations, voir ce mouvement que je n'approuve pas. Les gilets jaunes qui se lèvent, qui cassent tout, au nom soi-disant d'une revendication. Est-ce la bonne manière de faire les choses? Non. Pourquoi, quelque part, on a entretenu une haine, une révolte, et qui aujourd'hui se manifeste par certains actes répréhensibles. Pourquoi? Parce que l'amour est en train de disparaître dans le monde, et pire encore, dans l'Église. Et quand Jésus est venu, il est venu démontrer qu'il était possible d'aimer. Il était venu démontrer qu'il était lui-même le résultat, le fruit de l'amour de Dieu pour l'humanité. Dire aux hommes, vous avez emprunté un mauvais chemin, ce n'est pas le chemin de la vie, mais c'est un chemin qui conduit droit à la perdition, parce qu'il n'y a que haine, guerre, il n'y a que tribalisme, il n'y a que rivalité, il n'y a que querelle, il n'y a que compétition, il n'y a que meurtre. Et le monde entier plonge aujourd'hui dans ces ressentiments de manque d'amour. Le temps me manquerait pour parler de comment est-ce que le manque d'amour est aussi grave qu'il est même rentré dans des familles au point où les enfants ne se sentent plus aimés, les femmes ne se sentent plus aimées, les maris ne se sentent plus aimés, dislocation de la famille, déchirure de la famille, les enfants abandonnés, chacun livré à lui-même et tout le monde se débrouille. Et la conséquence c'est quoi? C'est tout ce que nous voyons. Des familles déchirées, le divorce qui brise les familles. Et aujourd'hui, les résultats, les conséquences que nous avons sont des conséquences amères. Et d'où vient ce problème? C'est un problème d'amour. Un problème où le monde ne sait pas recevoir l'amour. Et la Bible déclare que l'espérance ne trompe point, car l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et quand Jésus est venu, il a choisi ses disciples, il les a aimés, il a été avec eux. Avant même qu'ils ne partent vers son Père, qu'ils ne soient crucifiés, la Bible déclare dans Jean 13, il va mettre le comble à son amour pour eux, au point où il lave leurs pieds, il leur montre le chemin de l'humilité, le chemin du service. Il leur montre que les hommes, les chefs de ce monde tyrannisent les gens, mais un véritable chef comme Dieu est, celui qui est grand aux yeux de Dieu, ce n'est pas celui qui cherche à être servi, mais c'est celui qui sert les autres. Il a montré par sa vie, par son exemple, par son message, par son caractère, qu'il était possible d'aimer des personnes qui n'étaient pas dignes d'être aimées. Vous et moi, nous étions condamnés à l'enfer, car le salaire du péché, c'est la mort. Ce qui nous attendait tous, c'était le lac de feu pour l'éternité. Mais il a dit non, je vais sauver cette race pécheresse. Qui pouvait être envoyé? Personne, parce qu'aucun des anges ne pouvait incarner l'amour, puisque Dieu seul est amour. Il dit, je viendrai moi-même, je vais me dépouiller de ma gloire. Je veux devenir semblable à ces créatures mauvaises, pécheresses, avec toutes sortes de péchés que vous connaissez. Il y a certains péchés tellement graves qu'on ne peut pas nommer, des choses tellement horribles que Dieu voit, que vous ne pouvez pas supporter. Mais Dieu a vu cela, il dit, je vais le sauver. Qui d'entre nous peut démontrer ou manifester l'amour au niveau de Dieu, au niveau de Jésus, au point où il accepte la crucifixion? Quand on le crucifie injustement, est-ce qu'il le méritait? Non. Pourquoi l'a-t-il fait? Pour toi et pour moi, pour nous sauver. Et bien aimé, l'exemple qu'il nous a montré reste le fondement du christianisme. Parce que sans amour, il n'y a pas de christianisme. J'ai dit, sans amour, il n'y a pas de spiritualité. Si tu me dis que tu es spirituel et que tu n'as pas l'amour, ce n'est que superficialité.
Ce n'est que légèreté, ce n'est que comédie et hypocrisie. Parce que le fondement même de la croix, le fondement même de l'évangile, c'est l'amour. Alléluia. Et dans Jean chapitre 13, alors qu'il donnait les conseils à ses disciples, il leur dit, je vous donne un commandement nouveau. Et ce commandement est lequel? Aimez-vous les uns les autres. Comme moi je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres. Comme moi je vous ai aimé. Pas comme le monde vous a montré une forme d'amour, mais ce n'est pas l'amour. C'est du profit. Car dans l'amour, l'amour ne se trouve pas dans le monde. L'amour se trouve en Dieu. Car Dieu seul est amour. Parce que j'ai entendu certains chrétiens dire, je préfère aller dans le monde parce que là-bas au moins on s'aime. On ne s'aime pas. On s'accepte par des profits. Mais le véritable amour se trouve en Dieu. Et pour aimer, nous devons regarder à Dieu. Et il nous a donné un commandement. Tous les commandements sont résumés en deux commandements. Vous pouvez le lire dans le livre de Matthieu. Matthieu au chapitre 22. Un des pharisiens, je dirais, des docteurs de la loi, vient et pose la question à Jésus. Maître, dis-nous, quel est le plus grand commandement de la loi? Et il le disait pour l'éprouver. Et Jésus-Christ a gardé son calme. Il leur a dit, vous savez ce que l'Écriture dit dans la prière des Juifs qu'on appelle le Shema, Deutéronome chapitre 6. Il dit, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul et l'unique éternel. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et tu le serviras lui seul. Voici ce que Dieu avait donné comme commandement à Israël. Et toutes les autres lois, la décade, les 10 paroles, les 10 commandements et les autres lois, commandements, découlent de là. Et il dit, moi je vous ajoute un autre commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Ou encore, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dis à ton ami, regarde ton ami, dis-lui, je dois t'aimer comme moi-même. Tu peux le dire un peu plus à haute voix. String, string. Non, dis-le-lui encore, je dois t'aimer comme moi-même. Quand Jésus dit tu aimeras ton prochain ne veut pas dire celui avec qui tu t'entends. Quand Jésus dit tu aimeras ton prochain c'est toute personne qui est en dehors de toi. C'est-à-dire dans le prochain il y a aussi tes ennemis. C'est pourquoi Jésus a dit aimez vos ennemis. Dans aucune religion vous entendrez ça. Toutes les religions c'est œil pour œil, dent pour dent, pied pour pied, main pour main. Jésus dit non, on vous gifle là, tendez l'autre joue. Est-ce qu'aujourd'hui on le voit? C'est en voie de disparition. Il faut que ça revienne. Alléluia. Alléluia. Voici le seul commandement que Jésus nous a laissé. Et les apôtres ont défendu la parole. Ils ont prêché l'évangile. Et l'apôtre Paul était l'un des grands missionnaires que Dieu avait suscité. Parcourant de ville en ville, de continent en continent, annonçant les paroles du Seigneur, l'évangile de Dieu. Si vous lisez le contexte dans le troisième voyage missionnaire de Paul, nous sommes environ dans Actes chapitre 19. Paul, après avoir quitté l'Antioche, il se dirige vers la Galatie. Et puis la Galatie, il va en Phrygie. Après la Phrygie, il traverse les hautes provinces de l'Asie. La Bible déclare qu'il arrive maintenant à Éphèse. Éphèse était une ville où il y avait beaucoup de mauvaises choses, une ville polluée. Il arrive, il prêche l'évangile. Il rencontre des disciples qui n'avaient pas connu le baptême de Jean. Ils étaient au nombre de 12. Il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit le jour où vous avez cru? Ils ont dit, nous n'avons même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. Et là, il leur parle de l'évangile. Ils se convertissent. Et Paul les baptise. Et aussitôt, la Bible déclare, ils vont être baptisés du Saint-Esprit. Ils vont commencer à parler en d'autres langues et commencer à prophétiser. Et Paul commence à entrer dans les synagogues, prêcher. On le chasse, on le refoule. Paul sépare les disciples d'avec la foule. Il est réuni dans l'école qu'on appelait Tyrannus à l'époque. Et là, pendant 2 ans et demi, pratiquement,
Paul était en train d'enseigner les vertus du royaume. Quand on parle du royaume, on ne parle tout ce qu'on peut dire, c'est bien. Tout ce qu'on peut prêcher, c'est bien. Mais un des fondements du royaume, c'est l'amour. Parce qu'il n'y a pas de royaume sans le Saint-Esprit. Et une des manifestations du fruit du Saint-Esprit dans la vie d'un homme, c'est d'abord l'amour. Paul dit, le fruit du Saint-Esprit, c'est d'abord l'amour. L'amour est le premier et la base des restes. Tu ne peux pas avoir la maîtrise de soi si tu n'as pas l'amour. Tu ne peux pas avoir la bonté si tu n'as pas l'amour. Tu ne peux pas avoir la joie si tu n'as pas l'amour. C'est pourquoi il dit le fruit du Saint-Esprit. Il ne dit pas les fruits, il n'y en a pas plusieurs. Le fruit, un seul fruit du Saint-Esprit, c'est l'amour. Dieu utilise Paul de manière extraordinaire. Des miracles extraordinaires s'opéraient entre ses mains. Au point où on appliquait sur des malades, des mouchoirs qui avaient touché son corps. On l'appliquait sur des malades, des simples malades, de simples mouchoirs, je veux dire, guérissaient les malades. Vous savez pourquoi? À cause de l'amour. Paul a fondé cette église. Il a établi Timothée, son fils légitime. Il lui demande, il lui donne même des instructions sur la manière dont il devait gérer l'église. La manière dont il devait prêcher. Il dit, souviens-toi de ma prédication. Ce que tu as entendu de moi en présence de plusieurs témoins. Confie-les à des hommes fidèles. Qui sont aussi capables de l'enseigner à d'autres. Paul veillait sur l'enseignement. Parce que l'enseignement est le seul moyen pour répertorier. Ou je dirais pour dupliquer ce que Christ nous a laissé comme instruction. Il a dit, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Paul l'a fait. Il a enseigné. Bien-aimé dans le Seigneur, dans cette église, c'est une des rares églises où on pouvait sentir l'amour. Le temps me manquerait pour aller dans le détail sur ce qu'était l'église d'Éphèse. On retrouvait un amour comme pas possible. Les gens étaient comblés. Contrairement à l'église de Corinthe où il y avait beaucoup de dons spirituels, il y avait beaucoup de puissance, mais ils n'avaient pas l'amour. Ils avaient la connaissance. Paul leur dit, écoutez, la connaissance enfle. Mais l'amour édifie, l'amour bâtit. À l'église de Corinthe, on faisait la démonstration de qui connaît plus, qui a le plus d'onction, qui a le plus de paroles de connaissance, qui a plus de dons spirituels. C'est bien. Et c'est le piège dans lequel l'église aujourd'hui est en train de tomber. Où surtout beaucoup de jeunes qui ne veulent pas être encadrés, ils tombent parce qu'ils aiment trop les sensationnels. Plutôt que la substance, qui est la parole et Dieu. Et cette église était un modèle. Et voici, quelques années plus tard, quasiment vers les années 90 de notre ère, l'apôtre Jean sera emmené en captivité. Plutôt, il va fuir la persécution, on l'avait mis dans une bouillarde d'eau chaude. Dieu l'a miraculeusement délivré. Et il s'est retiré dans l'île de Patmos. Et c'est là que Dieu lui donne le message sur l'Apocalypse. C'est un livre que j'aime beaucoup lire. Parce que c'est un livre qui vous remet sur le droit chemin. Et lisez-le beaucoup. Regarde, on vous a dit, lis beaucoup Apocalypse. Je sais que tu aimes beaucoup lire les psaumes. Au psaume, ajoute Apocalypse. Regarde, on vous a dit, lui, en lisant les psaumes, ajoute Apocalypse. C'est la finalité de toute chose. Là, nous allons tous régler notre attitude parce que nous savons que Jésus revient. Ne l'oubliez jamais, il revient. Il nous retrouvera dans quelle situation, dans quelle position. L'église ici n'était pas au lieu du rendez-vous. L'église d'Éphèse, c'était une église. Le Seigneur loue les qualités. Il dit, je connais ta fidélité. Je connais ton travail. Tu travailles pour Dieu, c'est vrai. Tu sers Dieu, c'est vrai. Tu viens à l'église, c'est vrai. Tu fais des choses pour Dieu, c'est vrai. Tu as une foi, c'est vrai. Mais ce que j'ai contre toi, tu as abandonné ton premier amour. L'œil de Dieu, le prophète par excellence, a vu le mal qu'il y avait. Il dit, ton problème à toi, c'est le premier amour que tu as abandonné. C'est quoi le premier amour? Le premier amour, vous notez, pour ceux qui notent,
C'est le plus haut niveau d'amour qu'un homme peut manifester vis-à-vis de Dieu. Le premier amour, c'est le plus haut niveau d'amour qu'un homme peut manifester vers Dieu. Le premier amour, c'est un amour frais. C'est un amour dans son état pur, un amour pur qui n'est pas mélangé. Le premier amour, c'est l'amour que nous avons au début de la vie chrétienne. Je me souviendrai toujours de quand je donnais ma vie à Jésus, comment j'étais empressé. J'avais toujours l'empressement. Merci Seigneur, à ceux qui me concernent, j'ai toujours cet empressement quand il est question de Dieu. Cet amour que tu avais, pour certains qui l'ont perdu, pour Dieu. Cet amour que tu as, pour Dieu, qui ne dépend pas des promesses que Dieu te donne. Car il y en a qui s'accrochent aux promesses de Dieu qu'à Dieu lui-même. Au point où quand les promesses de Dieu ne se réalisent pas, on dit Dieu m'a déçu, j'abandonne. Donc si tel est ton cas, c'est que tu as abandonné ton premier amour. C'est un amour qui ne dépend pas des hommes. C'est un amour qui est encore jeune. Et là, j'aimerais nous donner un texte dans le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 2, le verset 2. Regardez ce que Dieu dit. Le reproche que le Seigneur va adresser à son peuple. Jérémie 2. On peut lire même à partir du premier verset jusqu'au verset 2. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Va et crie aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens. Dieu dit, je me souviens. C'est pourquoi mon thème c'est souviens-toi du premier amour. Dieu dit, je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune. Chrétien, Dieu dit, quand il te regarde, il dit, je me souviens de ton premier amour quand tu étais encore jeune. Tu étais encore vierge. Tu n'étais pas encore pollué par les réalités qui t'environnent. Et il dit quoi? Il dit, de ton affection lorsque tu étais fiancé. Quand tu me suivais au désert, dans une terre inculte. Lorsqu'on a le premier amour, on suit Dieu aveuglément. N'est-ce pas? Oui ou non? Vous savez, même quand vous aimez quelqu'un, vous devenez aveugle, c'est pourquoi quand quelqu'un tombe vraiment amoureux, c'est difficile de lui parler. Il n'écoute pas. Pourquoi? Parce qu'il est aveugle. Ça va, il est dans un nuage. Combien ont eu des amourettes? Ils ont eu des amours de coups de foudre. Comme souvent j'ai l'habitude de dire, ne vous mariez pas par un coup de foudre. Parce que là, c'est un amour encore qui n'est pas stable. Parce que tu fais, il y a un coup de foudre. 2 ans après, il n'y a pas de coup de foudre. 2 ans après, ah non, tu m'énerves. Alléluia. Dieu dit, je me souviens de cet amour. Lorsque tu étais là. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Israël? Tu as abandonné moi qui suis ta source. Pour creuser des citernes crevassées. Pour aller vers d'autres dieux. Pour te prostituer spirituellement. Tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi quand Dieu t'avait guéri. Quand Dieu t'avait délivré, quand Dieu t'avait touché, l'empressement que tu avais pour Dieu. Mais aujourd'hui, tu as des raisons qui justifient le fait que tu n'aies plus l'amour pour Dieu. Dieu m'a dit, c'est ce que j'ai contre toi. Tu as abandonné ton premier amour. Alléluia. Le premier amour, c'est l'amour qui marque le cœur de Dieu. Quand Dieu te regarde, il est touché par ton amour. C'est ça le premier amour. Car Dieu, des fois, est marqué, pas seulement par la foi, mais c'est aussi par notre amour. Comment est-ce que nous l'aimons? Le meilleur moment dans nos vies en tant que chrétiens, ce n'est pas quand Dieu nous bénit. Car pour beaucoup, la bénédiction devient un piège. Ça les éloigne de Dieu. Beaucoup sont éloignés de Dieu à cause des bénédictions que Dieu a données. Que Dieu me garde. Hier, j'étais célibataire, j'aimais Dieu. Maintenant, je suis marié, mon amour a baissé. Hier, j'étais pauvre, j'aimais Dieu. Maintenant que j'ai un peu de moyens, mon amour pour Dieu a baissé.
Hier, je ne t'ai pas connu. J'aimais Dieu. Maintenant que tu deviens un peu connu, tu abandonnes Dieu. Hier, souviens-toi ce que j'ai contre toi, ce que tu as abandonné ton premier amour. Pour faire les choses, tu as besoin qu'on te pousse. Tu as abandonné ton premier amour. Pour venir, il faut qu'on t'appelle. Tu as abandonné ton premier amour. Et aujourd'hui, beaucoup abandonnent leur premier amour par le bagage de connaissances qu'ils ont de Dieu. Dieu n'est pas impressionné par notre connaissance. Dieu est touché par notre cœur qu'il aime. Alléluia. Faites très attention. Il y a un orgueil caché derrière la connaissance. Je suis quelqu'un, j'aime la connaissance, je suis ancré dans la connaissance, mais je suis équilibré. Faites attention. Quand vous connaissez beaucoup, la plupart des gens qui connaissent beaucoup ne portent pas de réels fruits dans l'église parce qu'ils deviennent des véritables religieux. Regardez, la plupart des gens qui gagnent les âmes à l'église, c'est des nouveaux convertis. Un bébé spirituel qui ne connaît pas beaucoup, mais qui aime Dieu. Mais quelqu'un qui connaît beaucoup, il a beaucoup de connaissances, de théologie, il ne gagne aucune âme. Et d'ailleurs, il peut mettre un frein pour que les âmes soient sauvées. À cause de sa connaissance qui offre, faites attention. Alléluia. Alléluia. Le premier amour, c'est l'amour que tu as pour Dieu dans tes débuts. Tu vois, dans tes débuts, quand Dieu t'avait touché, c'est ça le premier amour. Et Paul qui définit cet amour en disant dans 1 Corinthiens 13, écoutez-moi bien, 1 Corinthiens 13 à partir du premier verset, il dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, qu'est-ce que je suis? Je ne suis rien. Je ne suis qu'un rein qui retentit. Je ne suis que des cymbales. Lorsque j'aurai la foi pour déplacer les montagnes, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Quand je distribuerai tous mes biens, je donne aux pauvres, tous mes biens je les distribue. Si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Voire même, lorsque j'irai jusqu'à livrer mon corps pour être brûlé. Jésus s'est livré parce qu'il aimait. Si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Et frères et sœurs, tout ce que nous cherchons, matériel ou spiritualité apparente, révélation, prophétie, positionnement, ça va passer. Ah, j'aimerais vous dire, tout ça, ça va passer. Si vous vous accrochez à Dieu par rapport à un positionnement, vous êtes mal barré. Ce que Dieu veut de vous et de moi, que nous l'aimions seulement. Et aimer Dieu doit se démontrer en aimant les autres, en aimant son prochain, comme soi-même. Il dit, ce que j'ai contre toi, tu as abandonné ton premier amour. Je me suis posé la question, d'où vient que nous abandonnions le premier amour? Dieu m'a dit, une chose qui fait que les gens abandonnent leur premier amour, c'est le facteur temps. Dis avec moi, temps. Tu sais, quand tu rencontres une nouvelle connaissance, et au début, tu as l'impression que vous entendez bien, vous avez l'impression de vous attacher vite, hein? Et même, tu as même l'impression de vouloir oublier les autres amis. Mais faites attention, l'homme a tendance à aimer tout ce qui est nouveau. Mais avec le temps, même ce qui est nouveau, qui était bien, avec le temps, tu peux commencer à le détester. C'est pourquoi tu vois que la plupart des gens ne sont pas stables. Pourquoi? Ils sont incapables de s'accrocher avec une personne. Il est aujourd'hui difficile d'entendre que ces deux-là sont des amis depuis l'âge de 5 ans. Aujourd'hui, ils ont 60 ans. C'est rare. Il y a des amitiés d'un an. Ah, il était mon ami. Elle était mon amie. Elle. Mais pourquoi? Il y a un problème réel. Même Dieu, quand tu es venu au Seigneur, tu l'aimais. Mais le facteur temps, vous savez pourquoi? Dans le temps, plusieurs événements vont se passer. Dans le facteur temps, tu vas commencer à découvrir, quand tu es venu à l'église, que tout le monde était beau, gentil. Tu as même l'impression que, oulala, je suis au ciel là. Mais avec le temps, tu commences à découvrir, oh, il a un seul caractère. Et le seul caractère, tu dis, Dis avec moi, c'est normal.
Dis encore, c'est normal. Le facteur temps fera que les hommes vont te blesser. Ou même tu peux blesser les autres. Le facteur temps fera que tu seras trahi. C'est pourquoi je vous ai donné Matthieu. Un des signes de la fin des temps. Jésus dit quoi? Plusieurs se trahiront. Plusieurs se haïront. Il y aura la déloyauté. Un des signes de la fin des temps. Il y a très peu de gens loyaux. La déloyauté. Quelqu'un te sourit en face. Dans le dos, il te poignarde. Ça, c'est la fin des temps. Donc, ne sois pas perturbé, mon frère, ma soeur. Il dit, plusieurs se haïront les uns les autres. La haine, même Jésus a dit, ils m'ont haï sans cause. Qu'est-ce que je leur ai fait pour que je mérite ça? Tu n'as rien fait. On va te haïr. Plusieurs faux prophètes se lèveront. Et quand les faux prophètes viennent, ils abusent. Ils abusent de votre confiance. Ils abusent de votre vie. Ils abusent de ce que vous possédez. Il y en a même. Ils abusent de votre famille. Tu dis, si c'est ça Dieu, j'arrête. N'est-ce pas que ces choses nous les voyons autour de nous? Les abus, les déceptions, les manipulations, le rejet, l'abandon, les disputes, les querelles, toutes ces choses contribuent à quoi? À tuer l'amour dans notre cœur. Et ça a trois causes majeures, notez-le. La première cause de ces choses, c'est d'abord le péché. Pourquoi j'abandonne le premier amour? À cause du péché. Parce que l'iniquité se sera accrue, le mal se serait accru, l'amour, la charité d'un grand nombre se refroidira. Le péché refroidit. Deuxième cause, c'est ta chair corrompue. Car très souvent nous avons tendance à accuser les autres. Mais nous n'avons pas le temps de nous regarder nous-mêmes. Bien-aimés dans le Seigneur, celui qui s'examine lui-même peut savoir s'il est toujours dans la foi. C'est ce que la Bible nous enseigne. Apprenez à faire l'auto-jugement. Arrêtez toujours de vous plaindre que c'est les autres qui sont la cause de votre malheur. C'est faux. Souvent, vous faites partie de vos erreurs. Quand moi j'ai des problèmes, avant d'accuser qui que ce soit, je me regarde. Là où j'ai failli, je m'humilie et je me répands. Et le problème des hommes aujourd'hui, en général dans le monde, ça a commencé avec Adam. Pourquoi tu mangeais? Ce n'est pas moi, c'est la femme que tu as mise à mes côtés. Ah bon? Donc tu rends Dieu responsable d'avoir mis Ève à tes côtés. Maintenant on se tourne vers Ève. Pourquoi tu fais cela? Ce n'est pas moi, c'est le serpent. Le pauvre serpent, il va se plaindre de chez qui? Vous voyez comment nous sommes? Comment l'homme est? Il ne veut pas regarder la vérité en face. Il veut condamner. Bien-aimé, c'est la source, une des sources, à part le péché, de l'abandon du premier amour. Parce que autant les autres ont des fautes, autant tu en as. Alléluia. Dans le livre de Galates au chapitre 6, verset 1, il est dit ceci. 1 à 2, il est dit, si quelqu'un, un frère vient d'être surpris en faute, vous qui êtes spirituel, qu'est-ce que vous devez faire? Redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde. Vous savez, c'est de la manière dont vous jugez les gens qu'on vous jugera de la même manière. Il y en a, oh, moi, ils sont durs avec moi. C'est que toi aussi, tu es dur avec les autres. Dieu a une mesure juste. Je peux parler à l'église ce matin? Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et troisième source, c'est le diable. Parce que le diable n'a pas d'amour. Le diable, c'est la haine. Et il va pousser les hommes à se haïr.
il va pousser les enfants de la même famille à se tuer. Voilà comment Caïn a tué Abel. Même sang. Adam, Caïn, Abel. Même père, même mère. Les enfants de même sang. Sais-tu? Les enfants d'une même famille. Nous, pasteurs d'une même communauté évangélique, nous nous empoisonnons. Voilà le manque de premier amour. Pourquoi l'autre a ça? Pourquoi pas moi? Pourquoi lui son église avance? Pourquoi il a beaucoup d'argent? Et est-ce que ça te justifie d'aller empoisonner ton frère? Un jeune pasteur, que le prophète ici à Paris, on l'a empoisonné à Paris, il est mort en décembre. À Paris, on l'a empoisonné. Vous trouvez ça normal? Qu'allons-nous dire aux musulmans? Et vous voulez gagner les musulmans? Il dit, si c'est vous êtes comme ça. Entre vous, pasteurs, vous vous empoisonnez. Dans les réunions des pasteurs, les gens ne mangent pas. Dans les agapes, communion fraternelle, tout le monde est en jeûne, bizarrement. Et les jeunes finissent après la réunion. Il y a un problème. Bien aimé dans le Seigneur, il y a un mal quelque part qu'il faut extirper. Ce n'est pas normal. Que ceux qui m'entendent dans les médias, je dis ce n'est pas normal. Jésus dit, on les reconnaîtra par tes miracles. Pas par des miracles. Moi je fais des miracles. Moi j'ai une mégachurch. Ce n'est pas ça. Le pasteur Bénigne s'est repenti. Il a dit, il était dans le coma. Il a failli. Il est parti au ciel. Jésus l'a dit, retourne. Je te donne une dernière chance. Parce que tu t'es servi toi-même et non moi. Il dit, si tu mourrais comme ça, tu vas en enfer. Beaucoup iront en enfer. Pourquoi? Parce qu'ils font une spiritualité de façade. Ils se tiennent sous la chair de façade. Ils ont l'apparence de la piété. Et ils renient ce qui en fait la force. Le manque d'amour. Et aujourd'hui, quand vous voulez manifester l'amour, on vous traite aussi d'injuste. Parce que c'est devenu la norme. Arrêtez ça. Dieu est amour. Et dans l'église, nous devons nous aimer. Je dis, nous devons nous aimer. Je dis, nous devons nous aimer. Nous devons nous aimer. Tout le monde critique tout le monde. Tout le monde parle mal. Tout le monde parle de tout le monde. C'est comme si toi tu étais bien toi. Est-ce que tu t'es regardé toi-même? Arrêtez ça. Dieu dit, si tu ne te réponds pas, j'ôterai ton chandelier. La présence, tu vas devenir sec. Et quand on devient sec, on ne s'occupe plus de sa vie. On commence à regarder dans les angles des autres. On passe toute sa vie à regarder, tant m'a mal regardé, m'a mal vu. Occupe-toi de Jésus et occupe-toi de ta vie. Donnez-moi un verre d'eau. Donnez-moi un verre d'eau. Donnez-moi un verre, s'il vous plaît. Rapidement, amenez-moi un verre, s'il vous plaît. Vite. Attrape ton voisin, dis, je dois t'aimer. Attrape-le. Attrape-le. J'ai dit bien, tout le monde le fait. Attrape-le. Attrape ton voisin. Dis, aime-moi, je t'aime. Dis-lui, je t'aime. Dis-lui, je t'aime. Dis-lui, je t'aime. Dis-lui, je t'aime. Non, déclare-le. Dis, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Dis encore, je t'aime. Je n'entends pas. Dis-lui, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Verse ça dedans, verse ça dedans, verse ça dedans. Non, tout. Merci. Et regardez à quoi ressemble. Tiens-moi ça. Quand tu n'as rien entre tes mains, quand tu n'as rien à protéger, à garder, tu t'occupes de tout ce qui est autour de toi. Mais le jour où on te dit, prends ces verres, tu es dans cette même salle où tu vois tout le monde, le verre est rempli. Je te dis, fais un aller-retour, là-bas jusqu'ici. Tiens ça. Ne renverse aucune goutte. Vas-y. Vas-y. Aucune goutte. Hein. Si ça te renverse, tu auras des problèmes sérieux. Vous voyez déjà comment elle marche? Lentement. Elle est comment? Concentrée. Où ça? Sur son verre. Pourquoi? Pour que... Ok. Fais demi-tour. Est-ce qu'elle a le temps de regarder? Non. Elle a le temps de voir combien tu es habillé? Non. Elle a le temps de voir si tu es gentil? Si tu es fiché? Elle a le temps de voir tout ça? Est-ce qu'elle a le temps de voir tout ça?
Pourquoi? À partir d'aujourd'hui, concentre-toi sur ton verre. Concentre-toi sur ton appel, sur ton ministère. Les autres font mal, prie pour eux. Priez pour les faibles. Si tu es fort, prie pour les faibles. Si tu dis qu'il n'y a pas d'amour, toi donne l'amour. À l'église, il n'y a pas d'amour. Voilà les blessés. Il y a parce qu'il y a des blessés qui refusent la guérison. On veut te guérir, non. Moi j'aime blesser, j'aime rester comme ça. C'est ma nature, quelle nature? Jésus est venu guérir les blessés. Toi tu veux rester blessé? Des fois 20 ans, 30 ans de vie chrétienne, je suis toujours blessé. Moi les églises vraiment je suis blessé. Hypocrite. Ton mari ne te blesse pas, c'est pour autant que tu divorces. Et même si tu as divorcé, est-ce que tu as eu raison de divorcer? Concentre-toi sur ton verre. Alléluia. Alléluia. Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et pour finir, il dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Et mon message ce matin, c'est de te dire, souviens-toi. Regarde, tu as ouvert des portes. Regarde, tu as failli. Regarde, il y a des choses que tu devais faire que tu n'as pas fait. Regarde, tu as une part de responsabilité. Regarde-toi. Regarde, regarde et regarde. Et une fois que tu vas te souvenir d'où tu es tombé, ne dis pas seulement j'ai vu mon erreur. Répands-toi. Dis avec moi la repentance. La repentance, ce n'est pas seulement pour les païens. Dans toutes les églises, excepté les deux églises, Philadelphie et Smyrne, toutes les églises, Jésus les appelle à la repentance. La repentance, c'est pour l'église. C'est pour cela que nous allons nous mettre à genoux. Nous allons nous repentir. Mettons-nous tous à genoux. Mets-toi à genoux. Que personne ne reste assis. À genoux tous. Tu vas faire cette chanson. Pardonne-moi, Seigneur. J'ai dit tout le monde à genoux. Pas vous qui êtes dans les caméras, vous filmez. Tout le monde à genoux. Nous allons nous humilier. Nous allons demander pardon à Dieu. Pardonne-moi, Seigneur, Jésus est mon sauveur. Pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur, Jésus est mon sauveur. Pardonne-moi, 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 pardonne-moi. Chante avec moi ce cantique, il est simple. Pardonne-moi. Pardonne, pardonne, par ton esprit, pardonne, 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 oh, par ton sang, pardonne, oh, par ta puissance. Ton amour, pardonne, pardonne, pardonne. Demandons pardon à Dieu pour notre attitude. Demandons pardon à Dieu parce que nous nous sommes éloignés de lui. Sincèrement, là où tu es. Si tu es un enfant de Dieu, alors tu vas te demander pardon. Si tu ne le fais pas, c'est que tu n'es pas un enfant de Dieu. Et ce n'est pas grave. Pardonne. Même là-bas derrière au fond, devant la porte, nous nous humilions devant Dieu, tous ensemble. Dieu est un Dieu de miséricorde. Si nous lui demandons pardon, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'est un Dieu qui est bon, mais un Dieu aussi juste, qui ne laisse pas le péché impuni.
et qui fait grâce, qui pardonne l'iniquité jusqu'à la millième génération. Oh, pardonne-moi. Que Dieu pardonne notre attitude, nos langages, nos comportements. Nous avons déshonoré Dieu. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne. Seigneur, pardonne-moi. En tant que leader de cette église, je te demande pardon. Au nom de tous les frères et sœurs, au nom de toutes les églises, là où nous fautons, je m'incline devant ta majestueuse présence. Tu es un Dieu juste. Tu es un Dieu fidèle. Tu es un Dieu bon. Tu es un Dieu qui restaure. Et la restauration n'est possible que dans l'humilité. Et nous voulons marcher dans la grâce de l'humilité. Car l'humilité précède la gloire. Pardonne-moi. 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 Oh, pardonne-moi. Alléluia. Nos cœurs se lèvent vers toi, nos voix se lèvent vers toi, nos vies se lèvent vers toi. Humblement, nous te demandons pardon. Tu m'as dit ce matin, cette église ressemble à l'église d'Éphèse qui a commencé à perdre son premier amour. Voilà pourquoi il y a eu des brèches et l'ennemi en a profité. Répare ces brèches. Père, humblement, je viens. Je crois que j'ai répondu à l'appel et j'ai dit ce que tu voulais que je dise. Alors je te demande pardon. Au nom de toute l'assemblée, au nom de tous les collègues pasteurs qui blessent les familles, qui brisent les vies, au nom du corps de Christ qui des fois est indigne. Et tu dis que c'est à cause de vous que le nom du Seigneur est blasphémé parmi les païens. Nous ne voulons pas jeter de pierre à qui que ce soit, mais nous voulons endosser la responsabilité et te dire que nous sommes simplement des enfants. Et tu dis, si vous ne vous convertissez, vous devenez comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Nous voulons descendre de notre piédestal, de nos titres, nos positions, et nous humilier devant le grand Dieu qui existe avant que le temps ne commence et qui existera toujours de toute éternité. Le Dieu redoutable, le Dieu incomparable. Merci pour ta miséricorde. Dans nos cœurs et dans nos vies, et ce, dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen, Amen. Vous pouvez vous rasseoir dans la présence de Dieu. Acclamons le Seigneur. Amen. Que celui qui a des oreilles pour entendre. Que celui qui a des oreilles pour entendre. Voilà. Nous ne voulons pas ouvrir des portes à l'ennemi pour, voilà, pour quoi que ce soit. Dans cette église, nous n'attaquerons jamais d'autres ministères. Je l'ai toujours dit. Nous ne considérons pas comme les grands ministères ou le meilleur ministère. Mais nous nous gardons. Je pense que les faiblesses des autres, c'est pour nous des sujets de prière. Pour que Dieu les restaure. Et c'est ça le véritable amour. Comme ça, Dieu nous préservera de toute chute. Mais le jour aussi, nous broncherons ou nous tomberons, Dieu aura aussi compassion de nous pour nous relever. Parce que nous avons agi de sorte envers les autres. Et la règle d'or que Jésus a dit, il a dit, ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Amen. Tout le monde a droit au respect, à la considération. Tout le monde a droit à la dignité et faisons-les. Nous ne pouvons moissonner que ce que nous sèmons. Si nous sèmons de bonnes choses, nous moissonnerons de bonnes choses. Mais si nous moissonnons, nous sèmons de mauvaises choses, qui que nous soyons, Dieu est juste, il nous le fera payer. La raison pour laquelle faisons tout de ne pas moissonner selon la chair. La chair, c'est la corruption. Moissonnons selon l'esprit. L'autre ne m'aime pas, moi je l'aime. L'autre ne me témoigne pas de la loyauté, mais je reste loyal vis-à-vis de la personne. Il y a des personnes qui m'ont sali, critiqué, détruit, balayé, écrasé. Mais aujourd'hui, parce que j'ai gardé le cap en bénissant, comme Dieu dit, bénissez, beaucoup viennent me voir aujourd'hui pour dire tu as eu raison. Bien-aimé, Dieu est un Dieu fidèle. Croyez-moi. Alors, nous voulons faire honte à Satan.
La seule chose qui peut repousser Satan dans une église, c'est l'amour. Si vous priez sans amour, il n'y aura pas d'effet. Il n'y aura pas de puissance. L'amour, c'est la puissance qui sauve. L'amour, c'est ça qui permet le réveil spirituel. Et nous voulons maintenir le réveil dans l'église par l'amour. Alléluia. La Bible dit, cela importe de temps, puisque vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de se réveiller enfin du sommeil. Parce que le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous des mauvaises choses. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. Confondons l'ennemi. Ne prenons pas part aux œuvres fructueuses des ténèbres. Condamnons-les, mais aimons-nous les uns les autres. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le précieux et glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci.